Yo l'autre fois, gros bonjour à tout le monde. Merci parce que avec nous dans l'ESA sur Haiti News Hour. Et c'est un plaisir pour nous rejoindre pour une autre vidéo. Si c'est la première fois visiter nos informations, nous partager et intéresser, pas oublier pour abonner avec Haiti News Hour et puis ouvrir la chaîne notification. Ça permet chaque fois nous poster une vidéo sur la chaîne que vous avez une information sans problème. Yon moun yo accusé pa gen pou le prouver innocence li. Maintenant moun yo accusé a, s'il estime que accusé la tort, gen deux bagay pou le faire pour le cap laver figil devant population an, et pour le cap jouer une réparation nan men moun ki accusé la. Par exemple, gen un série de journal à l'étranger qui peut des accusations qui extrêmement graves sous le docteur Ariel Henry. Li pa kap a di se laboratoire. Parce que c'est vous-même comme personnalité directement accusé et vous accusé comme complice dans l'assassinat au monde. Pire, dans l'assassinat du président qui était fait fin nommé au premier ministre. Donc, c'est pas l'étape dans la radio ou bien fait tweet à 10 laboratoire. Parce que la loi prévoit qui ça pour faire. Au monde, pas capable d'avoir une grosse accusation comme ça sur l'autre monde. Maintenant, qui devrait voir ça? Il y a pour le test tout simplement, pas une sommation pour lui rétracter sa dia, pour lui dire sa dia c'était menti ou bien le détromper. Et il y a un délai de temps de souffrance pour faire ça. Si moun n'a pas fait ça, kounyen ou attaquer en diffamation ou intenter un procès contre lui parce qu'il dit sur ou un bagaille qui passe ça. Maintenant, si vous pas fait ça, ou été dans vos et monter dans la radio, ou l'autre monde, par exemple, moi-même, je dis à, si Dr. Ariel Henry pas fait une action en justice contre mon gars qui est lui, mais même si nous ne voulons pas la veille, nous ne voulons pas la veille. Parce que je ne suis pas capable comme citoyen, mal chita, m'a discuté à faire l'État avec un monde qui est capable, complice dans l'assassinat du président. Maintenant, ça, mon monde a dit, peut-être que je mal dit, parce que si je ne juge le docteur, donc il va le marcher, il va le frapper pour le cas, tout juge dit, mais moi, monsieur Dr. Ariel Henry, moi, venez pour poser une question, non. Maintenant, s'il connaît l'identité culpabilité ou bien le coupable vraiment, laisse-le capable de faire dilatoire, plaider par un pile dans la radio à vous et tweet. Il ne va jamais faire ça à moi, dia, parce qu'il connaît, s'il fait, et puis l'entend, laisse-le mon absimé pour être joli. Est-ce que nous avons accepté que nous avons dirigé nous, et puis c'est l'une complicité avec l'assassin? Ce n'est pas normal. Donc, position mon monde est correcte. Je dis dorénavant, si nous obligés de parler avec vous, faut faire un bagage qui fait nous si que nous pas parler avec un monde qui nous pas parler de pays avec un monde qui n'a complicité d'assassinat ou l'autre monde. Audition John Joel Joseph et famille qui m'a dit à asile. Alors, nous sommes au courant de l'information qui est pour avec demande d'asile. Ça, d'abord, à travers un article, Miami Herald sorti hier, et après ça, nous avons rapidement fait un petit coup de jet dans quelques journaux jamaïcains pour être capable de gagner plus de détails sur la question. Ça. Avant même. Et nous arrivons dans séance audition qui est faite hier, comme dit avocat, ancien sénateur, et qui lui-même c'est Donahue Martin, lui produit formellement une demande de côté ministère jamaïcain sécurité nationale par le biais de l'agence passeport immigration et citoyenneté qui vient et Simon Jouet Lipika, qui c'est passeport immigration and citizenship agency. Yo fait demande ça avocat fait demande là avant même que John Joel Joseph te paraître devant tribunal et devant la cour martiale Kingston et avocat lui plaider avec succès pour que dossier lui-même qui impliquait John Joel Joseph avec trois membres de la famille pour yo renvoyer en attendant que gagner leur réponse et sous demande et d'asile ça. Alors faut nous dire la demande ça et Maître Martin lui demande un statut réfugié pour Darlene Edumé qui gagne 38 ans avec deux petites lui Schopenhauer qui gagne en 17 à 18 ans et après gagne Abacu qui a 9 ans qui tout est accusé comme quoi t'es rentré illégal sous sol jamaïcain. Donc, après demande ça, monsieur, juge principal là qui est le Laurie Ann Cole Montague, lui conclut que madame John Joel Joseph avec deux timoniaux, il doit tourner dans le tribunal là, 3 mars
cap venir là. Dans une entrevue que li bay journal jamaïcain Jamaica Observer, avocat Martin, qui c'est avocat ancien parlementaire haïtien, il déclarait que dans l'immédiaté, il fait connaître que il y a diverses raisons et qui fait que lui-même avec toute petite lui pas qu'à tourner en Haïti, il évoque question persécution et il dit il est quand même exposé avec des actes de violence et avocat lui dit que en raison de l'instabilité politique, sociale et économique qui est dans le pays, il juge que lui prudent pour demander un statut réfugié en Jamaïque pour madame John Joel Joseph avec deux timides. Mais toutefois, Net Martin lui dit que en raison de accusations qui portaient contre John Joel Joseph d'un côté autorité haïtienne et John Joel n'a pas commandé asile en Jamaïque. Donc ça veut dire c'est seulement madame John Joel Joseph avec deux petits yo qui a demandé asile. Alors si avocat a partagé raison ou bien raison avec le journal jamaïcain, eh bien Mami Konya Bleval n'a pas voulu faire trop de commentaires sur le statut John Joel qui lui-même fait objet de un mandat d'arrêt en Haïti et lui c'est une non suspect clé qui en a un et qui a un lien avec l'assassinat ancien président Jovenel Moïse. Et journal là pas révélé statut madame John avec Netimon Sayo Jamaïque, est-ce que en résidence surveillée, est-ce que sous compte l'état, sous compte la justice, qui ça? Et madame John Joel Joseph qui statut dans pays Jamaïque pour qu'elle est là? Alors, et dans l'article ça qui sorti dans le journal jamaïcain, il n'y a pas précisé statut, mais tout simplement sous contrôle et la police avec la justice jamaïcaine. Donc, ils permettent qu'ils fassent demande d'asile là, parce que c'est pas eux-mêmes personnellement qui accusés de complot ou bien participation présumée dans complot et qui aboutit à l'assassinat ancien président. Donc, statut Mounsayo. Et il n'est pas défini dans l'article, mais sauf que sous contrôle et la police avec la justice. Donc, on dit, bon, selon sa avocat a fait qu'on est, alors, le tribunal jamaïcain a décidé d'envoyer et séance là, et pour trois mois cabinet. Là, c'est une façon pour être capable de faciliter demande d'asile ça en faveur de madame John Joel Joseph. Donc, c'est toutefois. Et gouvernement jamaïcain ou bien autorité jamaïcaine yo t'a accordé statut réfugié ça avec madame John et deux petits yo, ça permet que lui joigne protection en tant qu'un monde qui a quitté pays d'origine en raison de circonstances qui bien pourraient avec soit question politique et plusieurs autres raisons encore. Donc faut nous dire selon le journal Miami Herald, question j'ai le statut réfugié en Jamaïque, c'est un bagage qui est très rare. D'abord, ça quoi le fait? Le ministère jamaïque et sécurité nationale a bien pour former un comité ou bien convoquer un comité qui est même bon côté parle, les pral gagner pour déterminer est-ce que trois mouns à savoir madame John, deux petits billots, a capable de dans le pays en tant que réfugié. N'a seulement rappelé que le journal jamaïque a rapporté que John Joel Joseph, pendant toute séance dans le tribunal là, il était capable de réconforter madame nous, parce que semblait madame nous était extrêmement agitée, puisque elle a pu utiliser un pot, elle est madame asthmatique, et à plusieurs reprises, il a utilisé pot là. Et John Joel Joseph, il a parlé avec le juge qui était dans le tribunal là, pour la première fois, sans interprète, ça veut dire qu'il parlait de Tiangueli, il dit que il n'est pas dormi. Madame nous pas dormi et madame nous malade, donc il t'a souhaité que le processus ça lui fini rapide pour famille et lui-même qui personnellement concerné et pour tout suivi fait, mais pour famille il t'a rendu un bagage ça fini parce que son bagage qui bouleversé lui-même madame n'y a petit. Puis famille John Joel Joseph là li sous contrôle autorité yo et là je ne comprends pas John Joel Joseph qui témoigne Jean madame Nipotel, est-ce que monsieur pas en prison ou bien qui ça et côté John Joel Joseph c'est en prison lui et madame lui-même il pas en prison effectivement. Alors, John Joel Joseph lui en prison, il a toujours précisé ça dans le texte et qui sorti madame ni avec petit lui pas dit qui bon oui.
les a parlé ou tout simplement dit John Joel Joseph et il détenu. Mais sauf que accusation comme quoi il est rentré illégal sur le territoire jamaïcain, c'est pour tous les trois. Maintenant, est-ce que John, même côté avec madame Mia Petit, il n'a pas gagné une précision qui baille sur ça? Sauf que, et ça a accusé tous les trois, c'est même bagaille. C'est rentré illégal sous territoire jamaïcain. Donc, pour l'instant, procédure judiciaire, même, il a continué. De façon pour le cas qu'on est, est-ce que leur fin est jugé sous rentré illégal sous territoire jamaïcain? Est-ce que il y a de l'autre bagaille qui ont reproché? Mais, jusqu'à présent, la justice avec la police jamaïcaine gagnait déjà tout détail sous accusation qui portait contre John Joel Joseph. Donc, question qu'a posé la Jamaïque, est-ce que il y a fini tendu John la famille et il est capable et s'il y a bien madame avec petit Liazil là et John qui s'est fait avec, est-ce qu'il y a beau en Haïti et journal jamaïcain ont dit pas y a un traité d'extradition entre deux pays, est-ce que éventuellement John Joel Joseph peut aller aux États-Unis? Question ça a toujours été peut-être, mais le journal américain il est vraiment probable, il dit autorité américaine yo gen yeux fixé sur John Joel Joseph actuellement qui selon plusieurs médias américains t'a dû extrader très prochainement aux États-Unis. Alors avant d'aller m'a dit que l'Amiral fait connaître que gen agent FBI qui déjà commencé tendre John Joel Joseph pendant que lui-même lui en prison. John Joel Joseph qui lui-même des accusations sur lui comme quoi il a participé dans une réunion qui a planifié la mort de Jovenel Moïse. Journal américain lui cité des sources qui proches du dossier et il dit que agence investigation américaine FBI a commencé interroger et ancien sénateur audition lui déroulé depuis la prison Jamaïque. Cependant, pas rien qui dit, j'en se dit dans l'air, ce qui sort qui est réservé pour ancien opposant farouche à pouvoir PHTK, qui lui-même est trouvé dans la prison jamaïque. N'a pas rappelé, John Joel Joseph, c'est deuxième suspect qui prend prison en Jamaïque. Premier, c'était ancien soldat colombien Mario Antonio Palacios, qui était arrêté dans fin octobre passé. John lui-même était arrêté zone 14 janvier. Côté le avec madame et petit lui et pour l'instant et famille John n'a pas appelé mandé asile. John a prétendu sur lui n'a pas appelé gagner un journal jamaïcain qui dit que John Joel Joseph a quitté Haïti dans bateau, il était prendre un route criminel populaire qui relait guns for guns, ça veut dire zam pour drogue. C'est une zone qui est extrêmement dangereuse, qui trouvait la côte sud pays d'Haïti avec Jamaïque. John Joel Joseph était prêt à vous ça pour être capable d'échapper à l'autorité haïtienne après avoir été fait plusieurs mois dans le cachet. On dit que l'école a fonctionné normalement. Et si nous sommes là, mais maintenant, ça m'a marqué une barre dans pile d'embouteillage. Et sous privé, sous le verna, bloc colosso, sous votre amour, comme dans pile d'embouteillage. Et puis après ça, pour vous entrer dans l'école là. Circulation, je me dis pas qu'il y a un peu d'embouteillage, mais question de circulation, ça a marché bien. Ma bat bravo pour les gens qui étaient dans les pétitions, ils ont toujours été arrivés à propre. Et puis, Jean-Yves Diboye, lui-même qui est devant la caméra à propre, dans la question de Fatra, malgré que je n'ai pas le temps, même si ça travaille toute journée, même si je suis campé là, et puis le soir, il fait 10 dates,
pour empêcher Mounio, j'ai tout patrie devant caméra. Mais Mounio toujours continue. Dans la question, lumière du feu, caoutchouc, tout bagage, assiette, carton, et bon caméra dans la rivière, et puis, bon pompier. Donc, avec travail ça, il dit après, je pense que les capacités fuient, bravo, et c'est un gros motomitant, un gros poteau, dans la question de mairie, il a travaillé, monsieur, travail en pile. Il y a des gens qui veulent suivre. On a une question d'énergie, et bien, il y a une énergie à la balle en pile. Mais il y a aussi des gens qui sont la ville. Marché à Sili, marché a fonctionné normalement. Marché a fonctionné normalement sur lui, mais il faut dire que je dis à l'embassy du boulevard, moi, le boulevard aux gens vide. Marché a très clair. Pour jeudi à hier, c'est un pile en bouteille, c'est demain mercredi. Mais je dis à là, marché a très clair. Mon frère. Et marché et sous la liberté sans trop en bouteille. Côté bien bouteille, c'est route nationale numéro 1, c'est grand là. Côté monde va traverser marché là. Vous voyez, route la coupe marché en deux. Pour qui sortir en haut marché, qui va aller sous la date 9 là. Et mon cas sous la date 9, qui va aller dans tête marché. Mais c'est ça qui va en bouteille, machine ou bouteille ralenti, qui va en bouteille. Même moi, un peu de policier dans la rue avec agent et protection civile, le même qui dans la rue il a dégagé pour faire circulation au niveau de la rue. Et bravo pour les policiers avec les policiers avec agents qui me sentent une grosse ligne et qui a fait travailler, mais un peu mal comprendre, agent de Rio, un peu mal comprendre. Et on est là de qui était sous 6e section, nous sommes travaillés en pile, nous sommes en pile pour faciliter et pas gagner un blocus au niveau de deux villes. La main, mais jusqu'à présent, citoyen, pas comprendre nous. Donc, moi, encourage les gens à contravention. Baille mon contravention, le policier, baille contravention, chauffeur taxi moto, baille contravention, et fais ça nous capable. Pour aller à l'heure passer journée dans le commissariat, parce qu'il faut nous mettre des principes. Haïti par mes bagailles, moi, Haïti par mes mouns à parler avec vous, docile. Haïti par mes top démocratie, démocratie à bon, mais démocratie à commencer à dépasser tout. Donc, il faut nous mettre des principes sur nous, et arrêter chauffeur taxi moto, aller faire passer au journée, pour le matin, on va en 450 ans. Donc, comme ça, on 6 temps, 7 temps. Et puis, la guerre à 6 heures du soir, 7 heures du soir, la guerre. Donc, depuis que nous avons fait ça, les papes fait ça, mais dès qu'on fait ça, on ne peut pas parler avec lui. Moi, c'est des policiers sages, net, très sages. Et mais, n'est-ce même trop sage. N'est-ce même trop sage. Et qui fait que, Mounio, alors, selon moi, même, qui fait que Mounio n'a pas respecté le principe. C'est pour nous arrêter mon dossier, pour nous arrêter mon dossier, aller mettre nos commissaires. Et, de vous faire ça, vous avez un monde qui a et mon cher, par votre monsieur, vous avez mis mon pâme, mais vous avez fait vous faire journée. Donc, vous avez après, et na libéré. Après ça, et sur il y avait mon pâme de compagnie Natcom et compagnie Digicel 2. Alors, comme moi-même, je fais plan Natcom et chaque mois, pour l'internet, chaque fois avant moi arriver, je vais faire des minutes, je vais faire des mégabytes. Et puis, Natcom tu rentres dans le bail là, chaque soir, il y a une belle goyo. À partir de 6h, 7h, par internet, et puis après, il y a une belle goyo. Et non, 6h du matin. Chaque soir, on a pris le temps, la compte de gaz, parce qu'il n'y a pas de gaz, il n'y a pas de problème. Mais, tous les clients ont été, tout pas les clients ont été parlé, mais pas rien qui fait. Mais maximum, j'en ai pas. Non, c'est un monde qui plaît en pile. Et alors, peu de monde plaît, oui. Même pour mettre Maxime, comme on est qui plaît en pile de notre combat. Et il y a Jacques Merville, tout. Jacques Merville plaît en pile. Mais notre combat, c'est pas seulement les proches. C'est une déception, même pour l'État haïtien, comme pas l'État tout. Et notre combat, non seulement information qui me fait confiance, et contre Natcom fini, Digicel même si les autres seulement la fait. Et PDG Digicel a même fait qu'on ait parlé les mouns venir faire contre avec eux ou bien fonctionner dans la compagnie. C'est respectant. Cela veut dire, pays d'Haïti, Digicel confirmé son savant. Donc moi ça m'a dit pour les moupam, moi t'a souhaité que l'État haïtien soit disant, l'État entre guillemets, pas dit moupam parce que c'est pas petit crime ni Natcom ni Digicel a fait pays d'Haïti. D'ailleurs, il y a un pays comme un savant. Pays d'Haïti pas savant. Il faut que Haïtien bataille de manière à ce que, pour nous, si un jour,
n'a comme diesel à soumel. Merci à vous. Et deux garçons, ça, c'est Jacques Mainville, qui est lui-même sur le là. En plus, mon intelligent, vous déjà appelé dans cette émission, ça, j'ai marre de commencer au niveau de Gonaï. Mais pour ces marques, en plus, mon appelé de mauvaise gestion, n'a comme diesel. Et même mon immigration de victime, en plus, il faut mettre là, mon immigration par rapport à passeport, il est obligé à voir mon al déplacer, à demander notre com, voir signal pour vous, voir internet pour vous, pour vous capable de faire passeport pour clients qui sont dans des unes, dans sa ligne, et vers être côté pour vous faire passeport. Donc, c'est un véritable problème, question notre com et digicel. En gros, sur le village, il est très tard, activité va marcher. Très bien, mais maman de mon nom, on veille, pour nous faire attention, veille en sécurité. Vous les motos, vous avez sorti bonnet, vous avez sorti tard, entre bonnet, entre tout à veille, parce que sous vos balles, vous prenez net, pas de enquête, pas de monde qui va faire la justice, pas de rien, donc c'est mettre comme vous pouvez, pas lever bonnet, pas entre tard, veille côté, et veille tout ce qu'on fait sous vos motos. Là, quand vous entrez même dans le cas, vous prenez une moto 3 ou. Il prend moto, on se déroule, et moto 3 ou moins donc, il prend moto, il prend moto, il va le vendre pour faire chaloupe, et chaloupe à rouler au niveau de la gola. Donc, ça nous fait très attention avec moto, et j'ai appris qu'il est là, dans le bonnet, dans le tas, fait très attention. Et puis la police, mon responsable est fort, on ne fait pas patrouille le soir, et si vous voulez pas que vous mettez là, et vous la lettre, vous la blanche, vous la. Pour moi, net, la police pour les habitants. En gros, celui c'est comme ça, vous l'avez pour maintenant là. Et vous avez une situation pas différente d'hier. Parce que même quatre figures là, avec un beau soleil, ça fait voilà, ça a pris fort sur le Gonaïve. Et puis hier, on va faire dans la ville là tout, il y a dans la ville poussière. On va constater que le monde a pris le monde de joindre qui n'est pas très écrit. À cause de ce qui est capé de vie dans la ville là, mais c'est beaucoup fini. Par exemple, il y a un petit qui a annoncé pour le débat dans la Tibonita, spécialement au Tibonita, ville Gonaïve. Mais après ça, la vie a commencé à changer de vie hier soir, levé, avec tout le monde qui est dans la rue, et il y a quelques photos de l'ONTAP qui ont déjà serré, il y a fait de quoi de chose. Sur le Dakar, ils ont déjà marré ma paix, même quatre figurants, et. Parmi les communautés de Gekas ou Bassin, c'est pas été chargé. Matériel qui m'a réconcrit. Mais finalement, la paix est efficace, pas efficace. On a parlé à Tafita plus ou moins dans Gekas ou Bassin, mais matériel qui est vraiment marié. Quelques jours levés pour jouer une situation en face de la vie Gonaïve. Et quelques jours levés pour jouer une situation qui est difficile, surtout dans quelques axes côté et trafic la plus fort. Et tant que Gekas ou Bassin, et tant que Gekas ou Bassin, et Italien, zone qui reste aussi, ils ont accès à Doumaré, et ça coûte pour les bureaux et les achats sur la route d'Afan, zone qui est pour le café de Zamara, zone qui est toujours très remarrée des matins, à cause qu'il y a un gros trafic qui a fait dans la zone d'Afan. Et même quand ça a tout, là, il y a une zone de Saint-Justin, zone ça, il y a tout sur la route d'Afan. Donc c'est axe qui est vraiment serré. Et même le prend des carreaux pour compter l'arrivée de Bigo, la fossée prenant, sont axes qui sont vraiment fragiles. Donc, zone ça a toujours bien beau trafic là-dedans, et toujours bien beau trafic qui fait dans zone ça. Mais après ça, Valène, je suis capable de noter une situation plus ou moins claire. Comme on a parlé là, puisque l'activité au reste du film commence à démarrer régulièrement, l'école est entrée, banque a parlé de l'ouvrir, même là, nous avons un problème d'équitation bien en banque. Et activité de la mise en transfert est faite normalement, je dis en paquet marché dans le Gonaïve, mais il y a activité qui a fait dans le marché communal là, il y a une capacité qui a pas le vendre, il y a un magasin, un dépôt, un matériau de construction, tout le monde est prêt à faire, marchand de manger occupé de toi là, marchand de pépé tout occupé de toi là, tout le monde a fait ravitaillement, marchand de caillou, tout le monde est à chercher activité matériel, donc c'est ça qui fait la vie, même malgré misère. Malgré les problèmes économiques, ça va empêcher que le monde a compté des femmes. Bon, c'est l'équipe quand même qui a circulé dans la vie, pour le monde libre. Mais pratiquement, on constate que machin, la vie chère, c'est tout à plein. Le monde va bien acheter pour la vie aspirante à cause du produit pour les nécessités qui a compté. Mais après ça, on va même se faire pour que la vie en est normale, à qui il peut reprendre.
moun kapap pe sikile normalman nan pis konay, pa gen kapi, pa gen oken anyen ki delanje la liyan, pou fè tout kon ap bouje nan limit pa yo, pou wè se kapap wè plus toujou nan fason ke bi ya fonksyonye.